Et salut tout le monde, ici Petit Seb et je vous souhaite un bon retour sur Portal 2 où je suis un peu bloqué par, par toutes ces tourelles. Il y a quelque chose là-haut. Je pense que j'ai eu toutes les tours. Ça va où? Juste au bon endroit. Impeccable. Moi qui pensais galérer parce que j'avais pas trouvé la dernière fois. Et on se retrouve direct sur un temps de chargement. En moins de 2 minutes. C'est formidable. Enfin déjà s'il a l'incinère, je pense que ça sera foutu. Bah allez, on appuie sur le bouton comme d'habitude. Ah mais là c'est cassé. Si j'envoie ça sur le tuyau de fluide là. Ok. Ah bah oui, après il n'y a plus qu'à faire ça. Et on est passé. Formidable. Alors, on est où? Vas-y, parle. Je vais être franc. Jusqu'ici, les pièges mortels n'ont pas super bien marché. Pour vous comme pour moi. Vous ne me contredirez pas. Et vous vous approchez dangereusement de mon repère. Repère. C'est la première fois que je le dis. Ça fait un peu ridicule, non? Mais c'est le bon terme, je vous assure. Un repère en bonne et due forme. Mortel, bien sûr. Et je voulais vous donner l'occasion de vous suicider maintenant. Avant d'arriver dans mon repère. Tenez, vous pouvez sauter dans ce broyeur là-bas. Ce n'est pas tant un piège qu'une invitation à mourir. Je sais que ça paraît idiot, mais écoutez-moi bien. Quand vous arriverez à mon repère, fini les invitations cordiales. Ce sera la mort obligatoire. Vous serez obligé de vous tuer avec plein de sang partout. Du coup, le mieux à faire pour vous, c'est d'en finir maintenant. À quoi bon vous donner la peine de faire tout le trajet jusqu'à mon repère, alors que vous êtes cordialement invité à mon... Très bien, je prends ça pour un nom. Comme si j'allais accepter de venir me suicider, quoi. Regardez ce qu'il a fait ici. Merde, c'était pas le bon.
ça fait pas plus. Parce que si je fais ça, je peux atteindre ce faisceau là. Et ensuite. Problème, c'est que ça commence à aller mieux. Ah. Mais bon, Whitley a dit que on s'approchait de son repère. Donc, c'est qu'on approche du dénouement et peut-être. D'accord. Donc dans le premier on avait brûlé tous les processeurs de GLaDOS pour la tuer, et là on va en ajouter pour le corrompre et pour le tuer. Exactement l'effet inverse, dirais-je. Branchez-moi, je vous fais monter. Comment je te branche là-dessus, moi? Si j'en crois les indications du panneau de commande, tout le bâtiment va s'autodétruire d'ici environ 6 minutes. Je suis quasiment sûr que c'est juste le voyant qui déconne, mais bon. Au cas où, je vais quand même devoir vous tuer. Je vous le disais un peu plus tôt. Alors, mettons que ça prenne 3 minutes, après je prends 1 minute de pause, du coup il me reste 2 minutes pour trouver comment arrêter les incendies. Bon, bah, je dirais qu'on est bon. Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué, et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Pour ça, 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portails. Deuxio, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Troisio, des boucliers anti-bombes pour moi. Et du coup, quatre, des bombes pour vous. Franchement, mon plan est tellement parfait que je vais être fair play et désactiver les neurotoxines. Non, je plaisante. Adieu. Niveau de neurotoxines opérationnel dans 5 minutes. Où vous allez, comme ça, ne courez pas. Vous savez pourquoi? Parce que plus vous respirez fort, plus vous inhalez de neurotoxines. C'est vraiment bien fait. Franchement, c'est diabolique. Ah, ah, non, ça, ah. Très réaliste, hein? En fait, c'était vous que j'imitais. Vous êtes tombé dans mon piège le plus sûr. Je voulais vous donner l'impression que... Ah. C'est bon, je l'ai. Attention, attention, c'est la police de l'espace. Oula, Roscoe, espace ou poulet, aidez-moi. Je suis comment là pour le brancher? Un télescope, je prends l'espace. Espace, espace, oui, ça va être bien l'espace. Orbite, en orbite, dans ma combi. Oh, oh, oulala, oh, oulala, quel espace? Je veux aller dans l'espace, oulala, oui, dans l'espace, j'ai un truc à dire. Allez, courage. C'est quoi votre truc préféré dans l'espace? Espace, disque, disque, galop. Oui, l'espace.
Est-ce que le liquide bleu qu'il y a là suffit? Alors, boum, ouais. Alerte, cœur corrompu. Cherchez trop compliqué depuis tout à l'heure. Ventilation défaillante, neurotoxine désactivée. Explosion du réacteur dans 4 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Qu'est-ce que vous m'avez mis là? Ah, c'était quoi? Un instant. Ah, ces satanés bombes sont coincées. Ah, pas grave, j'ai reprofite. Ah! Sphère bien corrompu, hein. Alerte, cœur corrompu, bien relou. 75% draguer les filles comme ça. D'explosion du réacteur détruit. Lancement du protocole préventif pour suspicion d'explosion du réacteur. Ce centre s'auto-détruira dans 2 minutes. Mais je vous ai dit d'arrêter avec ces protecteurs. Mais ça c'est typique de vous. Vous n'écoutez rien de ce que je vous dis. En silence, tout en jugeant, en silence. Ah Il est où l'autre processeur là? Edmund, il arrive, on ira à voir Grant Everest, accomplit cet exploit par hasard en chassant un oiseau. Avant l'invention du crayon, pour voler, il fallait ingérer de grandes quantités d'hélium. Enfin, l'espace n'existe pas. 89% des tours de magie relèvent non de la magie, mais de la sorcellerie. La clientèle résiste parfaitement à la pression. Vous allez entraîner ma mort. Un enfant sur 6 sera un jour ou l'autre kidnappé par un néerlandais. En 1983, à la demande d'un enfant mourant, le grand cycliste Louison Bobet a mangé 75 galettes de blé noir avant de décéder d'une intoxication au blé noir. Marie Curie a découvert la théorie de la radioactivité, le traitement de la radioactivité et la mort par radioactivité. La révolution de la Lune autour de la Terre dure 27,32 jours. Dans les années 30, il était interdit d'avoir un lapin de compagnie, d'où une recrudescence de souris avec de fausses oreilles de lapin collées sur la tête. La racine carrée de corps déficient. Le carbone soumis à une pression intense. Normalement, là, ça devrait aller. Le carbone soumis à une pression intense produit les particules en polystyrène servant à caler. Ah ! On affirme à tort que Thomas Edison a inventé le culturisme en 1878. En réalité, Nikola Tesla avait fait breveter cette activité 3 ans plus tôt sous le nom de bobinisme. Avant l'invention des œufs brouillés en 1912, le brunch traditionnel était constitué de poussins crus ou de cailloux brouillés, tête. Il a fallu attendre 1895 pour. Alerte, non. Cœur corrompu à 100%. Pouf. Remplacement manuel du cœur requis. Ah, je vois. Cœur de substitution, confirmez le démarrage. Cœur corrompu, confirmez le démarrage. À votre avis? Réponse vague, considérée comme affirmative. Non, 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 je lui tends la perche, c'est rien. Temporisation détectée. Incendie détecté dans l'annexe de résolution des temporisations, extinction. Ça s'enlève facilement en fait. C'est bon à savoir, plus tôt ça aurait été mieux. Détemporisateur qualifié, veuillez appuyer sur le bouton de résolution des temporisations. Allez, n'appuyez pas sur ce bouton. Appuyez sur le bouton. Non, ne faites pas ça. Je vous défends. Comment d'appuyer. Est-ce que je fais pour passer? N'appuyez pas sur le bouton. N'appuyez Et là, ça devrait être bien. Appuyez sur le bouton. Non, ça vibre pas. Le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Toujours en vie? Oh mais attendez, c'est pas possible! Déjà quoi, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné? Moi j'ai vu la lune. Ok. J'ai créé un portail sur la lune. Lâchez-moi! Ils sont forts quand même. Lâchez tout!
suis toujours connecté. Je peux encore rectifier le tir. C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Miner, changement de programme. Agrippez-moi. Plus fort. Ah, tenez-moi. Au revoir, Whitley. Elle m'a ramené. Du coup, il se passe quoi? Elle me retransforme en sujet de test ou bien... Ouf, par chance, vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline, supprimée. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline. Que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à vous tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait. Personne ne me mettait dans une patate. Personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis, il y a cette folle dangereuse qui m'a tuée sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné? Partez. Sérieux? Et elle me laisse partir comme ça? C'était sympa. Adieu. C'est des tourelles musicales. Waouh. Une méga tourelle là-bas au fond, sur le podium. Il y a King Tourelle là-bas au fond aussi. T'es loin sous la surface, hein. Un champ de blé. Ils nous ont laissé le cube. Bon, et ben voilà. J'espère que ce nouvel épisode... je vais laisser passer le générique en même temps. J'espère que ce nouvel épisode de Portal 2 vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau let's play. N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo. Allez, à plus tout le monde. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you. Maybe not quite as heavy. Now-
love. That's where Carolyn is in here too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. L'espace, il y en a beaucoup, je veux te voir. J'aimerais bien pouvoir revenir en arrière, faire certaines choses différemment. Non, c'est vrai. Et pas juste parce que je suis en train de dériver dans l'espace. Je suis dans l'espace. Eh oui, l'ami. On est dans l'espace. Tous les deux. Enfin bref. Si je pouvais la revoir, tu sais ce que je dirais? Je suis dans l'espace. Je dirais... pardon. Avec sincérité. Pardon d'avoir été... tyrannique et monstrueux. Je suis vraiment navré. Fuir l'espace. Fin. Hey, watch out!